Le directeur général de la police nationale au commissariat central de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans les structures sous sa tutelle. Lorsqu'on est le premier responsable de la police, il est normal que l'on aille sur le terrain pour voir l'état d'esprit de la troupe, pour voir les dispositions sécuritaires que vos éléments prennent sur le terrain afin de sécuriser, afin de protéger les populations. Une séance de travail avec les chefs des démembrements de la police du Borgou a marqué cette visite. Cette séance de travail se veut une séance de cadrage. Je leur ai dit la vision du gouvernement. Il y a certains comportements que la police doit désormais avoir. Donc, les rançonnements, les tracasseries, on n'en veut plus. C'est désormais interdit. C'est pourquoi nous voulons jouer vraiment notre rôle de protection des populations au lieu d'être des bourreaux des populations. Le premier responsable de la police nationale repart confiant et rassuré de l'engagement des policiers à respecter les consignes données. À vos ordres, mon directeur général de la police nationale.